le côté mimétique, je crois que je l'ai senti en moi, et ça je l'ai dit dans mon livre sur l'esthétique, quand j'étais jeune et surtout étudiant, là, alors je faisais des croquis, des caricatures des personnes qui m'étaient proches, que je voyais, camarades, amis. Bon. Et alors, j'ai été frappé de pouvoir trouver la ressemblance, mais sans regarder la personne. Et chaque fois que je voulais faire un dessin en regardant la personne, en voulant faire le front, le nez, enfin, analytiquement, ce n'était pas ressemblant. Mimétisme, je crois que nous avons tous, dès l'enfance, pas seulement le mimétisme qui nous fait apprendre les mots comme ça, hein, mais je crois qu'il nous fait intégrer certaines expressions du visage, certaines façons de rire, certaines façons de parler, des personnes qui vous influencent, qui vous marquent. Souvent, c'est les parents. Et ce caractère mimétique, je l'ai bien vu avec des amis très proches, c'est-à-dire que à un moment donné, l'un d'autre se mettait à rire comme moi. Et moi, je me mettais à sourire comme lui. Bon, donc, si vous voulez, il y a des mimétismes minimes, inconscients, qui sont présents dans toute notre vie. Et moi, je le vis comme ça. Même quand j'ai avancé dans l'âge, j'ai vu aussi bien des jeunes collaborateurs qui inconsciemment imitaient une certaine façon de parler que j'ai. Et moi, quand quelque chose me plaît dans l'expression de quelqu'un d'autre, inconsciemment je l'incorpore.